Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une émission qui passe sur Contact Pro Live, donc chaque samedi, où nous réagissons à une actualité qui tente à demeurer ou qui continue à faire mouche sur, pendant la semaine. Donc aujourd'hui, nous allons réagir sur ce qui prédomine l'actualité en République démocratique du Congo, c'est la nomination de notre cher Premier ministre et la marche de notre pays comparativement à ceux qui sont presque à ce même niveau que nous. Ici, je veux parler du Sénégal. Personne n'est sans le savoir que le Sénégal, on a eu des élections. 10 jours après, le premier ministre, le nouveau président a été installé et le lendemain, le premier ministre a été désigné. Et après le premier ministre, il y a eu la formation même du gouvernement qui est de 25 membres et de 5 secrétaires généraux. Donc le Sénégal se met déjà au travail. Nous, ça fait 4 mois que nous avons terminer les élections qui étaient du reste chaotiques au Togo Lobaba élection au Nanou et Salema na modèle OOT. Mais ce sont des élections qui se sont déroulées en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas le nier. Avec tant de problèmes que nous avons au pays, tout ça n'a pas problème, mais belé, surtout l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, Togo Lobelani n'ango lelo vraiment. Nous réagissons sur la manière de faire de notre pays. Aujourd'hui, j'étais très choqué. Les Nande ou le peuple Nande de la, du Nord Kivu qui continue à être massacré et il crie au secours. Et par ailleurs, ils sont en train de regretter que le pays ezako koma na modèle oyo. Batiweri ezako si la tenaeste à République démocratique du Congo. Eux-mêmes commencent même à réclamer balobi Kabila azala ki moi bien koleka Félix. Pourquoi na komi kuna? Parce que c'est comme si nous ne sommes pas au courant ou bien nous ne prenons pas au sérieux la situation qui passe chez nous. Bandeko, ngana banzi ke otoza ko vivre en République démocratique du Congo, c'est quelque chose d'inhabituel et dont nous sommes nous-mêmes les auteurs de ce que nous vivons. Donc, makambo ezako comme la biso, eza biso moko. Comment est-ce que nous pouvons expliquer que 4 mois après les élections, nous n'avons pas toujours décollé? C'est-à-dire que nous ne sommes même pas pressés. Eza nango na ti na te. Toza précédé, donc nous savons que c'est comme ça que ça se fait. Changement qu'il y a comme colonie. Et c'est ça justement, lorsque les gens qui parlent que changement qu'il y a comme colonie, la paix viendra quand? Nous attendons la paix. Et c'est là où je dis que nous sommes en train de nous tromper. C'est sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Toza komi kosa. Ou bien nous cautionnons nous-mêmes le mal de ce pays. Nous ne voulons pas changer, nous ne voulons pas se mettre au travail. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas par le voyage dont viendra la paix en République démocratique du Congo. Et ça pour n'avoir voyagé, et ça que pour n'avoir chinois, te mutubakoya kotonge la biso, ou bien quelqu'un d'autre viendra faire les choses à notre place. Regardez comment est-ce que nous sommes en train de traiter le problème de l'insécurité, de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Tozaka ko continue ko kanisaka ke batu mususu nde mutu bazako sala biso mabe. Ce sont les Rwandais, tantôt ce sont les pantins de M23, tout ça. Mais nous ne nous focalisons pas à chercher une solution. On nomme un premier ministre qui ne s'attendait même pas à ce qu'il sera. Nous bafouons les lois de la République. Et vous allez entendre les gens défendre que non, ils ne travaillent pas. Félix
fils ne travaille pas. On dirait qu'il est en train d'attendre. Il est à comme coca moi. Imagine-toi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même disait que non. Gana za coca moi kama kambo ya dollar nenge mataka. Le président, c'est lui qui est censé de mettre les choses ya kobongisa makambo. C'est lui qui nous avions tout donné et lui-même ne connaît pas la, il n'a pas de solution. C'est ça le grand problème que nous sommes en train de traverser. Parce que nous ne sommes pas conscients de notre situation ou même nous n'avons pas le souci de résoudre nos problèmes. Tous en a souci ou en a été, ce n'est pas notre problème. On parle de détournement d'argent et même le président de la République s'étonne. C'est lui qui est censé les connaître. C'est lui qui est censé de remettre de l'ordre à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas la SADC. Oh non, si ko ezaba SADC ndo basibaye, si ko AEAC kenda ki tout ça. Et qu'est-ce que nous faisons? Et pendant tout ce temps-là, c'est du mensonge sur mensonge. On nous ment, on nous fait. Yango na elo na lobi actualité oh ya mama oh ba tiena nanani na comme premier ministre. Moi je crois que finalement Ezali un faux fouillant. C'est un faux fouillant. On cherche du sensationnel. On est cosmétique. On n'est pas sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. La République démocratique du Congo échappe. Échappe vraiment à nous, le peuple congolais. Finalement, pas échappé, mais je dis que nous ne voulons pas faire de notre pays cette grandeur que nous voulons la donner. Notre tokanisaka ke koya. Et koya na banani yango ba koya nango ba mindele na poto ne mtu ba koya ko développer mboka na biso. Moi ça me fait du mal, très 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 mal. Et là les discussions vont est-ce qui azanani auti wapi azamuruba o azabo. Nous sommes focalisés sur la les personnes. Pourquoi? Parce que batuwa nande tourna bango ya koyiba. Et on veut voir si ce n'est pas un Congolais qui est là. Mais finalement, bande konangaye. Tozo kende wapi. Nous devons nous focaliser sur le problème. Quelle est la solution que nous mettons sur table? Quel est le programme que nous allons faire? Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour résoudre le problème? Le problème, ce n'est pas le président de la République, ainsi que lui-même. Akanisi que non. Babikila kilawana ba chef koutime ba pesa ki yangone mtoko résoudre ba problème à Est. Finalement, on se pose la question, tout wapi. La première ministre aussi va prendre son temps parce qu'il ne savait pas. Et ça y était. Ba kendeki ko lukaye kaka balobi yo ya kaka la première ministre. Elle n'avait même pas l'idée. Bon, excusez-moi le terme. Mais t'as là-bas Sénégalais. Ils savaient que non. Ce qui t'a commis beau et tout, qui t'a sali beau. Voici ce que nous allons faire pour résoudre le problème du Sénégal. Yango es baso trenete. C'est ça qui explique que dès que le président est élu, Mbalamoko toyebi que ah ouais zali boy, ils n'ont même pas le problème à conformer le gouvernement parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire après ça. Bayebi. Bayebi, comment ils vont le faire? C'est comme ça qu'ils désignent directement Kabi yom toko sale loko oyo. Ce n'est pas question à ce que tant au koma on ando banda ko réfléchir. Donc, présentement, la première dame commence à réfléchir d'abord sur les hommes qui vont l'accompagner. Pas sur le task, pas sur le travail qu'il a entre ses mains. Il l'a déclaré, mais timidement en disant que ce qui nous attend est trop lourd. Mais il ne sait pas comment le faire. C'est comme ça qu'elle doit être, elle est divisée. Tantôt, ce sont les autres personnes qui l'ont désignée, qui vont l'inciter à lui dire, choisissez, bye, boy, oh, oh, oh. Ça ne sera pas lui-même. Regardez comment nous nous sommes écartés même de nos textes. Bah, texte, n'abisse, banda, et l'obéla, gabisse, bien. Bah, nanyango, bah, oui, qu'on la nini en République démocratique du Congo. Le peuple, le député, ce sont les gens au Parlement qui vont faire la majorité, qui vont élaborer une politique à gestion en boca. Et c'est par là qu'ils vont désigner quelqu'un qui va conduire cette politique-là, n'a qu'à t'y accompagner, implémentation à politique, wana. Bah, idée, on est où t'as qu'à n'en parler, pas comme ça dans la tête.
Nous avions vu cette histoire-là depuis Ilunga Nkamba, le premier ministre Nyoso Bayaka. Jamais quelqu'un n'est venu avec une politique originale à Koloba. Voici le problème du Congo. Voici la solution que nous voulons apporter dans ce problème-là. Alors, on se pose la question aujourd'hui. Tokomi wapi, quel est le problème du Congo? Est-ce que nous connaissons le problème du Congo? Batu o bazana nanani bazako lingabako bakamba biso. Est-ce que bayebi problème ni nango toza nango? Les gens disent que non, c'est l'insécurité. Les gens disent que non, c'est nous avons un pays. Bande konangai. Ça frise vraiment du ça fait très mal. Et nous sommes là en train de polémiquer, Tao, le M23, regardez, ils ont fait ceci, Kagame, oh, tout ça. Et on ne réfléchit pas sur le réel problème de la République démocratique du Congo. Moi, je peux avoir une idée. Le problème, c'est quoi, Bandeko? Otozo Lobela, Awa Mikolo Nyonso. Nous réfléchissons, nous disons, qu'est-ce qu'il faut, quel est l'important, qu'est-ce qui est l'important pour que nous puissions démarrer le Congo? Moi, je crois que, et nous continuons à discuter ça ici. Le problème est Zali, Mbo Kanabiso, l'État congolais n'existe pas. Elle n'existe que des noms. Nous ne contrôlons pas notre territoire. Nous ne nous connaissons pas. C'est ça le grand problème que nous avons. Tant que nous avons été battus, nous avons été battus, nous avons été battus, nous. Vous allez entendre parler le président de la République qui dit que non, écoutez, nous avons été millionnaire. Est-ce que c'est ça le problème? Est-ce qu'il connaît vraiment le problème? Un président qui se lève un matin, il dit, le problème ce n'est pas nous, c'est le Rwanda qui nous attaque. Nous sommes attaqués, nous sommes... Est-ce que le Rwanda peut se lever un jour comme ça et continuer à dire que non, Azo a attaqué Congo? Pourquoi Centrafrique Azo a attaqué Bissoté? Pourquoi Burundi? Pourquoi pour l'Est de la République démocratique du Congo, Bazakoyiba, Bissoba Minere? Ça c'est un faux fuyant. Qu'est-ce qu'on vous vole? Qu'est-ce qu'on nous vole, nous, en République démocratique du Congo? Batouni n'ango bazako yi babiso ba minere wana. Ainsi donc, wana eza parmi ba problème à Congo. Na lobi kaka mwa mouke na mozino n'ango ezali. Ça, ce sont ce que nous voyons. Non, ce que vous, le président déclare. Mais le vrai problème du Congo, ce n'est pas celui-là. C'est la gestion même. Gestion est un bon cannabis. Ba ninga msusu na ba mbo kanabango, ba yebi kou mi géré. Ba yebi kita na bango eza combien. Ba yebi ke ba te kaka combien. Mais pas nabiso ezali kaka boye. Regardez ce que y a quelqu'un qui me disait hier sur l'aéroport de Kolwezi qu'on a construit là-bas. Ça rapporte combien disons, nanani na République démocratique du Congo? Est-ce qu'il y a un trafic qui a fait à ce que l'aéroport en est Tongama? Si ce n'est que évacuer, ba minerai na yabatu. C'est pour cela que vous allez les voir, ba tu ebele, ba suki, nani famille présidentielle, ba komiko kende kuna ebele, ebele. Ils font quoi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que ça bénéficie à la République démocratique du Congo? À l'État congolais? Tout ça, c'est sûr que c'est ezakaka écorce, c'est ezakaka babiloko ya likolo. Il y a quatre ezanini. Eza l'État congolais qui n'existe pas, qui tarde à gérer le pays. L'État congolais doit gérer ce pays. C'est cet État-là qui n'existe pas encore, que nous avons difficile à implémenter, Bande Konangai. Et l'État, c'est quoi? L'État, c'est l'ingai, yona, batunyo, surtout, ba congolais, nyoso, o ba vandi, o ba botama, o ba zalakana, République démocratique du Congo. Toza ensemble, nous ne constituons pas un corps. Et l'on qu'on a des ozanga, biso, bande, konangai. C'est comme ça que biso, nde, mutufoto, tonga, et l'on qu'on a. Et quoi, ou t'es pas, moussou, ça ne viendra pas de quelque part, ça viendra de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous lèverons en disant, voici comment est-ce que nous allons nous gérer pour que nous bénéficions de nos cannabis. Comment nous allons gérer nos minéraux, comment nous allons gérer nos terres arables pour que tout le monde puisse se retrouver, pour que Batouba soit misala.
Mais ça, ce n'est pas notre problème. Et ça, problème à Congolais. Te. Congolais, problème, n'est-ce pas, n'est-ce pas, boumounaye. En commençant par le président de la République et jusqu'au plus petit. Et nous sommes comme dans une jungle, bato, babo, bazui, bazui. Oyazui, ozanango, teza problème à moutouté, teza problème à yemoko. C'est ainsi que vous allez voir beaucoup de gris. Alors, qu'est-ce que ça a à faire avec ce nouveau président, Yanan, le premier ministre? Ça a à faire avec le nouveau premier ministre, parce que la ministre, elle va continuer ce qui se trouve, ce qu'elle a commencé, c'est-à-dire à outil n'a plan. Et là, on a ça qui pour président de la République, Azala n'a eu confiance qu'il n'a dirigé le gouvernement. Est-ce que c'est ce qu'elle a fait n'a plan? Ce qu'elle avait fait dans le ministère en plan, est-ce que ça peut donner un espoir à ce que ce qu'ils ont implémenté, implémenté au niveau du gouvernement, on parle de projet de 145 territoires dont elle est peut-être, elle a programmé, elle a planifié. Mais suite à Nangozandengenin, est-ce que c'est par là que nous, le président de la République, lui a donné confiance en disant, ok, maintenant comme toi tu as fait ceci, comme tu as fait ce plan-là, il y a 145 territoires. Je vais vous rappeler une chose ici. Le programme de 145 territoires, c'est depuis 2019 dont nous parlons de ça ici à Contact Pro Live. Et il y a une manière dont nous avions dit que modèle ni négocié au Salema, ce n'était pas d'aller construire un pont. Non, c'était une refondation pratiquement du Congo. Na yebite soki na katia moi si oyo premier ministre ndei baide wana ezali ou bien qu'elle a été roulée quelque part, parce que nous en parlons. Et le problème, regardez même ça tant oboza kolanda Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba parle de ça. Mboka na biso eza kolinga changement vraiment très profond. Et ce changement là ne peut pas être parachuté. Changement à la République démocratique du Congo ne peut pas être parachuté comme ça que tout le bateau change. Moi, à Contact Pro Live, nous avions pensé ceci, juste pour justement réagir à cette actualité de cette dame et lui donner peut-être une idée. Madame, moi je pense qu'il est grand temps de préparer une 4e République. Na préparation, on a Ekosenga, ba Congolais, ba Zala ensemble. Ekosenga, que tout se maîtrise, tout yebana. Par des programmes qui, pas des programmes, il y a exploitation à Congo. Non, et ça là-bas, programme à consolidation, il y a cohésion à Bisso. C'est-à-dire que nous devons implémenter des programmes pour justement reconstruire encore cet État. Et cet État, moi, nous pensons ici à Contact Pro Live, je pense que ezali malamu ya kokende na ba biloko moko ya programmation ya ko consolider notre unité, notre cohésion nationale, ya komi yeba biso ba congolais toza banani d'abord. Et c'est ainsi que c'est sur cette fondation là donc toko bâtir siko mboka ya sika na o bato ba yebi ke awa biloko ko ko sale marsusu te. Ici l'armée sera reconstruite comment est-ce que nous allons remonter une administration saine? Ezali kambusu te ke no mutoza na aru ayak na Kinshasa po azuka aluka passeport te. Nous devons mettre les mécanismes, les processus en place. Ça ne viendra pas des Chinois, ni des Américains, ni des Français. Non, ce sont les Congolais qui doivent se mettre ensemble pour se dire, nous devons changer. Pourquoi tant de rébellions? Pourquoi tant de gens aigris? Y a-t-il un partage équitable et la richesse en Mboka? Est-ce que le pouvoir est-il dans les mains de ceux qui devraient l'exercer? Ça, ce sont les questions de base que nous devons nous poser et chercher les solutions. Les questions de base de notre pays ne doivent pas avoir quelqu'un d'autre venir les répondre à notre place. Sinon, ça ne vaudra pas la peine. C'est ça le grand problème que moi, je pense qu'il faut que cette dame d'aujourd'hui puisse s'atteler. Ce qu'Alingi a manifesté par intention, à Sali Sambo Cannabiso. Écoutez, mes chers amis, moi, je pense que nous ne pouvons pas nous entêter dans le rêve. C'est Ezakope Salisusu, Batuo, Bazana, Basima Mando qui raison. Nous ne pouvons pas. Et loko ya kolobato solo. Moi, je pense que la dame, taske o linga ke sale la, po e mboka, Ezaliko, ramener Batounio surtout en sa programme à 145 territoires, ramener tout le monde pour préparer un 4e République. Moi, je pense si elle va là, pas pour construire, mais pour faire parler le Congolais.
ba Congolais ba vanda ba yoka na balobite awa na province moyen ya kozala ka par exemple na plus na nani boezat. C'est comme ça que nous nous sommes dit, il faut qu'on convoque ce que nous appelons ici les états de lieu de chaque territoire, où les gens vont se parler dans les territoires et construire une ébauche d'une nouvelle constitution. Ba état de lieu wana et qu'on soit en charge réécriture la constitution à Sika. En même temps, deuxième point, parce que nous avons un contact pro live, nous avons deux points où nous allons discuter, nous avons un cas de l'état de l'Iwana. Et Zali, prendre en charge l'identification de la population au niveau des territoires. Et là, quand nous allons piloter, na réunion wana ya batu o ba kozala na kati ya nani na ensemble ou bien na kati ya ba état de lieu wana ba six wana o ikosalema na kati ya ba territoire. Batu wana ce sont les chefs coutumiers, ce sont les forces vives de la population dans lequel nous retrouvons les chefs de tribu, nous retrouvons les chefs coutumiers, les chefs de secteur, ba personnalité, ba notable, ya chaque territoire, ba miebi. Beaucoup de gens se connaissent là-bas. Et là, nous résolvons. Quel est le problème que nous aurons à résoudre? C'est le problème de la nationalité, donc constitution à Sika. Tokolobela Kasiko, constitution à Sika. Entre-temps, nous sommes en train de mettre en place les mécanismes pour l'identification et pour l'octroi des Congolais une carte d'identité. Ce processus-là devra être mis en place et piloté par les territoires. Ainsi, la responsabilité, c'est comme cela que nous disons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. C'est-à-dire que quelqu'un devra se sentir vraiment na katia nani à base nae. Si aujourd'hui on peut faire une discussion sur ma nationalité, mais si j'ai été identifié par ma base, c'est par là que nous allons dire que non, atazaboye, mais ce type a été identifié comme Mounande, tout ça. Il doit y avoir une base juridique, oyobatuba, yokanaki, et les gens viendront maintenant se brancher là-bas. Bandeko, c'est tout un programme que moi j'explique ici à Contact Pro Life. Ceux qui osent abonner, abonnez-vous. Pour que tolandanaka bolandaka masolo ona ndenge tozokende ko explikaka comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Et c'est ainsi que nous pensons que nandenge mama o azako lukasa la asala nani gouvernement na e azala inspiré, quel est le travail qu'elle va implémenter vraiment na katia ya nani ya chance o ba pesier. C'est pour cela que nous lui donnons cette opportunité. Nous allons réfléchir peut-être si elle nous suit. Aïe, bakake. Ata balobi o bakope sabatoua, biloko akolia. Tiens, ce n'est pas ça. Consolidons des programmes qui vont faire à ce que tous à la namboka yasika o ezali, eza bien dirigé et puis eza bien géré. Et cela, nous ne cessons de les discuter ici à Contact Pro Live. Depuis 2019, c'était là où nous avions lancé le programme de 145 territoires qui devrait générer une nouvelle constitution, na cohésion nationale, na unité nationale. Et puis, c'est par là que nous allons réfléchir même sur la forme de notre État. Au lieu qu'on kenda ko divaguer, kakaboyo, non, bah, député, tout ça. Bah, députés Obazali Siko, ce sont des députés qui ont été choisis et sur quelle base? Redonnons donc la parole à la population dans ce que nous appelons les états déliés de chaque territoire. On va s'arrêter là aujourd'hui, espérant que vous êtes allé jusque là, donc à la fin de cette émission. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez, laissez un message. Vous pouvez m'appeler pour que nous puissions en discuter sur les sujets dont nous discutons ici sur Contact Pro Life. Donc, bon week-end. Je voudrais vous souhaiter ça. Bato bako fêter ba anniversaire na bango, bon anniversaire. Bato bako bazana passi, mes condoléances à ceux qui ont perdu le leur. Et donc, week-end za la malamu, espérant que tant que tokuta na lisusu ekozala na esengo ndenge tokuta na kamikolo nyoso. Et puis, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un petit thumbs up. Merci, portez-vous bien, au revoir.